Magloire en panique, son ex lui a volé ordinateur avec des photos de personnalités compromettantes. Magloire a eu la peur de sa vie. Alors que l'ancien animateur de M6 n'avait pas donné de ses nouvelles depuis un certain temps. Voilà qu'il réapparaît dans de bien tristes circonstances. Et celui-ci était loin d'avoir besoin d'un scandale alors que depuis quelques années. Il fait tout pour se reprendre en main et perdre du poids pour des raisons de santé. Mais comme le révèle Closé ce jeudi 15 décembre, le sang de l'ex-acolyte de Michael Youn au Morning Live n'a récemment fait qu'un tour. Le 9 décembre dernier, il s'est retrouvé dans un commissariat à Paris. Non, le chroniqueur n'a aucun problème avec la justice. C'est plutôt lui qui aurait sollicité la police pour porter plainte contre son ancien compagnon. Closé explique que Magloire aurait été victime de son ex, qui avait passé la nuit chez lui. Ce dernier serait ainsi reparti en douce avec un bien très précieux pour lui, son ordinateur portable. Cet objet, Magloire y tenait particulièrement car il contiendrait des documents très compromettants. Le média évoque notamment des clichés personnels ainsi que des photos de personnalités dans des situations olé olé. En découvrant le vol de son ordinateur, Magloire aurait donc été pris de panique à l'idée que certaines photos soient diffusées sur les réseaux sociaux. Celui qui se fait désormais plus discret sur le petit écran, a donc dû porter plainte contre son ex afin d'échapper au scandale. Closé révèle que finalement, l'ex-présentateur a pu souffler puisque l'affaire a été rapidement prise en main et son ex a été interpellé par les forces de l'ordre. Il a également pu récupérer son ordinateur et ses précieux dossiers. Pas question pour Magloire que le grand public découvre des célébrités dans des situations gênantes à cause de lui. Reste à savoir quelle star figurait sur ces photos.